Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Alors une petite mise à jour par rapport au blocage. Alors j'ai demandé de nouveau au guide ce matin, que faire quand on se sent bloqué, pourquoi on se sent bloqué, pourquoi il y a des blocages dans la vie. Alors déjà actuellement, bonne nouvelle, si vous regardez cette vidéo maintenant, nous sommes le 28 août 2024. Mercure, la planète, n'est plus rétrograde à partir d'aujourd'hui, donc normalement tout devrait se débloquer. Mais quand même, plus généralement, je vais vous dire, alors je l'ai écrit, ce que m'ont dit les guides, c'est très 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 beau. Alors, ils disent, une fleur ne pousse pas sur demande, les feuilles d'un arbre ne poussent pas non plus sur demande, la nature a son propre rythme, ses saisons. Il en va de même pour toi. Tu es un élément de la nature et t'en sentir séparé et t'en croire séparé est la cause de toutes tes souffrances. Donc en fait, le message est très clair, c'est que dès que l'on va dans notre mental, dès qu'on va dans notre personnalité, on oublie qu'en fait on fait partie d'un grand tout, on fait partie en tout cas du grand tout sur Terre déjà, que comme un arbre, une fleur, une plante, tout en fait, les animaux, on fait partie d'un tout et il y a un rythme qui nous est imposé. Alors surtout en tant que femme, si vous êtes une femme, on a nos règles tous les 28 jours et c'est pas nous qui décidons, je vais les avoir si on prend pas de pilule. Naturellement, ça arrive toujours, moi chaque mois, par miracle, je me dis mais c'est extraordinaire que c'est exactement à la date, vous voyez. Et en fait, les guides disent que c'est la même chose, qu'il y a un rythme pour tout, il y a des saisons dans notre vie. Donc même des saisons toutes petites. Donc il y a des moments dans notre vie où ça va être des moments de calme, où on nous demande juste de nous poser et de laisser germer en nous des nouvelles idées. Donc ce qu'ils m'ont dit également, et je ne l'ai pas encore écrit, il faut que je l'écrive, je vais mettre tout ça sur mon blog, sur mon site internet, sophiekamedium.com, en français cette fois-ci, je vais l'écrire. Donc c'est de... il y a des moments, oui, ce qu'ils m'ont dit en fait, c'est d'être dans la créativité. Pendant ces moments où on a l'impression que nos projets sont arrêtés, qu'on n'a plus d'inspiration, qu'il n'y a plus rien, d'aller vers la créativité, de nous faire plaisir et également de nous amuser. Parce que souvent, quand on est dans ces moments-là, donc on est dans couper de la nature, donc on se croit séparé, donc ça crée des angoisses. Et plus on y pense, plus on est angoissé en disant « ma vie est bloquée, comment je vais gagner ma vie, comment je vais faire, etc. etc. » Qu'importe le domaine, je dis gagner, ça peut être pourquoi cette relation ne fonctionne pas, c'est tous les domaines possibles. Je vais vite parce que j'ai plein d'infos. J'essaye de calmer le tout. J'ai pas encore tout posé par écrit et je me suis dit il faut que je le transmette par vidéo. C'est plus facile. Je sais que les gens sont plus à l'écoute et je vais faire vite. D'ailleurs, c'est trop long. Donc bref, laissez profiter aussi de ce moment. C'est un moment, c'est comme l'hiver en fait. C'est un moment de créativité. Donc profitez-en pour laisser germer en vous des idées. Et donc le grand message du jour, c'est laisse-toi inspirer. Voilà, laisse-toi inspirer. Et donc inspire, prends le temps de respirer, de revenir à ton état de nature, de laisser le divin te traverser, ne sois plus à l'origine des choses, laisse-toi traverser, laisse les angoisses monter, laisse les peurs monter et tu verras qu'il y a des choses qui vont se manifester et des idées. Ne te juge pas, ne te mets pas la pression, ça ne sert strictement à rien. Voilà, je reviendrai certainement avec une autre vidéo, j'espère que ça a répondu à vos angoisses, à ceux qui traversent ça en ce moment. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.